Salut tout le monde, comment ça va? Excusez-moi, c'était mon téléphone, je suis en communication avec une copine allemande. Comment ça va? Ça va bien? Ben écoutez, moi ça va, il pleut, ou ça fait une semaine qu'il est gris. J'aurais dû aller à la plage cette semaine, mais finalement, pardon, excusez-moi. Mais finalement, je suis pas allé parce que ben, j'avais pas envie. Parce que pour être à la plage, dans la boue, sous la pluie, je peux aussi bien rester ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de boue ici. J'ai l'électricité pour mettre le chauffage. Donc, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Je vous amène parce que ben, j'ai fait les courses. J'ai fait plein de courses aujourd'hui, vous allez voir. J'ai filmé la route, j'ai pas filmé à l'intérieur des courses parce que les gens, en règle générale, dans les magasins, dans les boutiques, ils aiment pas trop. Donc j'ai pas filmé les courses, mais j'ai filmé la route. Je fais l'aller, et au mi-chemin du retour, ben la carte SIM, enfin la carte SIM, la carte SD, elle était pleine. Donc voilà, vous ne verrez pas la fin de la route, mais c'est pas grave. Et puis du coup, ben, je vous propose de vous montrer tout ce que j'ai acheté. Il y a des choses que je peux vous montrer, il y a des choses que je ne peux pas vous montrer parce que ben, ça se voit pas, hein, je n'ai pas filmé, ça se voit pas. Alors, on va commencer, ben, on va faire dans l'ordre chronologique.
Alors, ordre chronologique. C'est là, je ne peux pas vous montrer grand-chose. C'est qu'en fait, je suis allé, vous avez vu, je suis arrivé dans un garage pour faire du GPL, parce qu'ils ont du GPL. Après avoir testé une autre station-service pour le GPL, et puis ils m'ont refusé. Non, c'est interdit, c'est interdit. Bon, allez, on va laisser tomber, on ne va pas discuter, je n'avais pas envie de polémiquer. Et donc, j'ai trouvé cette garage, ils ont un réservoir GPL derrière, et puis aucun souci, ben, tu te gares et il y a tout de suite quelqu'un qui vient, qui ouvre, qui remplit, qui ci, qui ça, génial, adorable. La seule chose, ils n'ont pas des adaptateurs, donc il faut aller avec des adaptateurs. Ça, c'est pas un souci. Et par la même occasion, je suis déjà allé, je le connais, ils sont super sympas. Par la même occasion, et là vous allez voir, après, ensuite, je fais changer mes essuie-glaces. Et ça, quand je suis reparti, vous avez vu, j'ai mis un coup d'essuie-glace. Non, vous allez le voir là. J'ai mis un coup d'essuie-glace parce que je suis super contente, j'ai les nouvelles essuie-glaces. Enfin, je vois bien clair comme il faut. Donc là j'ai rien, j'ai que la facture, 36,70 €, voilà, pour les trois essuie, ben oui, Foxy il a 3 essuie-glaces, donc 3 essuie-glaces, plus la TVA, donc 36,70 €, et puis il a fait le montage, il l'a changé directement tout de suite, sans demander quoi que ce soit. Voilà, et ça c'est compris dans le prix. Donc il m'a facturé que les trois essuie-glaces. Et deuxième chose, donc le gaz, les deux bouteilles de gaz, ben, il y en a une qui était moitié et l'autre pleine. Donc pour... ouais, on va dire 20, une trentaine de litres à peu près, j'ai payé, vous allez voir là, du GPL, j'ai payé 21,64 €. Je ne connais pas le prix actuellement en France, je ne sais pas, mais je trouve que ça le fait très bien. Allez, la suite maintenant.
tombe maintenant. Ça, c'était après le GPL et les essuie-glaces. Vous avez vu, je suis allé dans le au sous-sol. Il y a un génial parking. Bon, là, maintenant, ça va, mais quand il fait chaud, c'est agréable en bas. Puis, en plus, il y a des caddies et un ascenseur pour monter. Alors, on va faire dans l'ordre que c'est dans sur le ticket des caisses. Des mandarines, 500 grammes, 90 centimes. Ah, elles sont belles. Ensuite, des belles pommes toutes rouges. Combien il y en a? 385 grammes. Deux pommes, 65 centimes. Platano. Banane. Purée, cherchez le mot. Banane. 355 grammes, 2 bananes, 67 centimes. Et une calabacine verde. Calabacine, c'est courgette. Une courgette, 530 grammes, 74 centimes. Et puis, qu'est-ce qui manque? Ah oui, l'ail, voilà. 4 têtes d'ail, 1,45 €. Pollo. Escalope de poulet. Directement bien pané et puis voilà. Alors 1,66 €. Après des croquettes tasses de pollo, des croquettes de poulet, c'est super bien, j'adore. 2,40 € les 6. Et ensuite des chorizo picante. 6 aussi, regardez, 1,44 € les 6. Alors, vous le savez certainement, parce qu'Ambre, elle vous l'avait déjà dit, moi aussi. Les chorizo, ici en Espagne, au Portugal, ce que vous achetez à la boucherie, charcuterie, sont crus. Donc, manger comme ça, c'est pas le top. J'ai essayé, bien évidemment, il faut tester. Moi, je teste tout. Mais c'est pas le top, donc il faut vraiment le faire cuire. Alors, depuis quelques semaines, j'ai acheté un mini cuiseur de riz, minuscule, super génial, pour exactement une portion, c'est-à-dire pour une personne, c'est parfait. Alors, je prends un chorizo, je coupe en tranches, je mets dedans avec du riz, avec quelques oignons, et je n'ai pas besoin de rajouter ni de l'huile, ni des épices, ni quoi que ce soit, et c'est super bon. Voilà. Chorizo. Ensuite, voilà. Ensuite, il y a ça, des empanadillas. Pisto, c'est avec des légumes. Voilà. 1,65 €. Les 7. Voilà. Ensuite, ça, c'est gâteau pomme. Il y a certainement aussi la cannelle dedans. 65 centimes, le gros morceau. Super bon aussi. Ensuite, fromage, 180 grammes des tranches de fromage pour faire des sandwichs, 1 €. Et avec ça, pareil pour le sandwich, des tranches fines de jambon, 2 € pour attendez, c'est certainement marqué quelque part, 500 grammes, 2 €. Donc, ça va, c'est supportable. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, les saucisses de Francfort. Saucisses de Francfort. Ça, j'achète régulièrement aussi, comme ça, comme pour grignoter, pour partager avec le chien, voilà. Alors, il y a 3 paquets. Dans le lot, il y a 3 paquets. Dans chaque paquet, il y a 7 saucisses. Et le total, c'est 99 centimes pour le paquet. Pour les 3 paquets, pour le lot. Et ils ont régulièrement, ça on le trouve dans 480 grammes. Dans n'importe quel supermarché, vous pouvez le trouver. C'est super bon, j'adore. Donc, voilà, et tout ça en plus, ça peut aller au congélateur. Ensuite, ça. Attendez, là, les boquerones. Les boquerones, ce sont des
me semble, sont des sardines. Oui, ce sont des sardines. Et ça, c'est excellent. Mais ça fait un moment que je cherchais. Et c'est vrai, je n'ai jamais vraiment, vraiment cherché non plus. J'ai toujours adoré ça. Des sardines à l'ail. Huile d'olive, de l'ail, du persil, c'est excellent. Si vous connaissez les tapas en Espagne, dans les bars, dans les bistro-bars, des tapas, souvent, ils ont des boquerones. Et j'ai toujours pris déjà, ouf, il y a 30 ans, quand j'étais régulièrement en Espagne, au Portugal, j'ai déjà pris les boquerones à l'époque. 1,50€ le paquet. Ensuite, de l'aioli. L'aioli, je prends régulièrement, 89 centimes. Ensuite, voilà, du yaourt à la grecque, crémeux à souhait. Normalement, ça c'est un pot de 500 grammes. Normalement, je prends des pots d'un kilo, mais il n'y en avait plus. 89 centimes, le pot de 500 grammes. Et ça c'est, oh j'adore, c'est une crème vanille. Natillas con galeta, avec une galette. Ah, c'est super bon. Il faut pas le proposer à Ambre parce qu'il y a la cannelle dedans. Alors, il y a 4 là-dedans dans le paquet. Voilà. Et c'est 87 centimes les 4. Ensuite, de l'ail en vinaigre. Ah, j'adore. Je mange comme ça, sans rien. Oh, je grignote comme ça. Il y a des gens qui grignotent du chocolat. Moi, je grignote de l'ail au vinaigre. 1,40€. Ensuite, pain de mie. 16 tranches, sans croûte. 1€. Et avec ça, je me fais des sandwichs super bons. Alors, des picos, ça, voilà, ce sont des petits gâteaux salés, super bons, avec des fibres, il y en a tout ordinaire, et ça c'est avec des fibres. Attendez, j'attrape mon ticket des caisses, 42 centimes, et c'est un paquet de dedans, 230 grammes, voilà, 230 grammes. 42 centimes, ouais, 42 centimes. Ensuite, du café tout ordinaire, café moulu, et c'est 99 centimes. C'est la marque du magasin, hein, du Consum. Ensuite, des galletas tostadas, ça. Ce sont des petits au beurre, gâteau au beurre, tout ordinaire. Et déjà comme ça, c'est très bon. C'est pas trop sucré. Alors, c'est ce que je fais avec ça. Je les écrase avec mon rouleau de pâtisserie. Je les écrase bien pour faire pratiquement de la poudre très très fin. Je mélange avec du beurre fondu. Je mets ça au fond d'une moule ou des petites moules, peu importe, des petits machins. Ça va 10 minutes au frigo, le beurre va durcir, ça va faire un fond, quoi, un genre de fond de tarte. Et par-dessus, ensuite, je mets une crème, crème mandarine, crème pomme, crème citron, peu importe, oui, crème citron, je fais avec du crème citron, c'est très bon aussi. Et c'est super bon, pas besoin de four, rien du tout, et c'est excellent. Et par-dessus, je prends quelques petits gâteaux là, je les écrase, mais moins fin, c'est-à-dire c'est pas comme la poudre, c'est quand même un peu plus consistant, un peu plus gros, et je mets par-dessus. C'est excellent, et c'est vite fait, vraiment, ça va très vite. Alors, ensuite, galletas tostadas, c'est 80 centimes le gros paquet. 80 centimes le gros paquet. Voilà. Ensuite, du lait. 1 litre du lait. Du lait entier, bien évidemment. Je prends que du lait entier. Parce que tout le reste, ça n'a pas de goût. Voilà. 89 centimes le litre. De la crème. Crème,
crème pour faire la cuisine, quoi. Crème fleurette, quelque chose comme ça, voilà. Les trois petits là, 1h32, les trois. Bon, et bien pour finir, on passe aux choses plus importantes. Voilà, essentiel. Du rouge. Du rouge, je prends un comme ça pour boire tout le jour. C'est pas un grand cru, mais ça se boit facilement. C'est du bon vin pour boire tout le jour. Voilà. C'est 4,75 € les 5 litres. Donc c'est moins d'1 € le litre. Et surtout, j'ai besoin du bidon quand il sera vide. Ça va faire mon prochain bidon pour mes toilettes. Voilà. Tout simplement. Et pour mes chiens, j'ai pris un gros paquet de. Voilà. Des croquettes. Gros paquet de croquettes. Voilà. 3,45 €, 4 kilos. Là, j'en ai pour un moment. Alors, Domino, il ne peut plus le manger. Cathy, elle adore. Donc je fais tremper tout simplement. J'ai fait un mélange de tout ça. Ici il y a des grosses boîtes. Il y a une boîte 90 centimes je crois. Ouais, 1,80 € les deux boîtes. Voilà. Et ça, ils adorent ça. C'est un peu plus cher, mais c'est bah, ils adorent ça. Et ça sent super bon. Des saucisses chien. Et il y a 1,29 € la saucisse. Alors c'est ce que j'ai fait maintenant. J'ai fait cuire du riz ou de la semoule. Ils adorent la semoule aussi. Pas la semoule fine, la semoule pour faire les couscous classiques, quoi. Je mélange tout ça. Je prépare la semoule. Ensuite, je mets quelques croquettes. Je mets de l'eau. Je mets un peu de ça. Je mets un peu de ça. Je prépare ça à l'avance dans un grand bol. Je fais tremper le matin, comme ça c'est prêt le soir. Et j'en ai pour 3 jours, quoi. Pour. Ouais, non, pas 3 jours, pardon, excusez-moi, pour 3 repas. Voilà. Et puis, ils adorent. Ils adorent. Et bien, de temps en temps, je rajoute quelques légumes, une boîte de petits pois. Et je fais ça ou avec du riz ou avec la semoule. Voilà. Et ils adorent ça. Pour la bouffe, je suis allée chez un chinois, un des deux. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Donc, 10h30,
des petites bâtonnets de sambon, voilà, relax, ouais, ça va me calmer. Un pot de peinture, parce que je n'ai pas complètement terminé Foxy, je vais faire le bas de caisse avec ça. Ça s'appelle Rojo Carruajes, et quand j'ai cherché la traduction, ça ressemble un peu à terre de sienne, voire pleine de poussière. Terre de sienne, parce qu'en fait, c'est Ambre qui m'a donné l'idée. Avec toutes les couleurs que j'ai déjà mises, oui, je vous montre ça quand ça sera terminé. Terre de sienne pour le bas de caisse, ça sera pas mal. J'en ai trouvé. Rojo Carruajes, j'ai tenté de traduire, et ça s'appelle tout simplement voiture rouge ou rouge voiture. Alors. Bon, peu importe. Alors, c'est 7,50 €. 7,50 € le gros pot de 750 millilitres. J'en ai assez avec ça. Les bâtonnets, c'est combien? 60 centimes. Voilà, 60 centimes. 7,50 €. Ensuite, hier, j'ai fait la couture et je suis en train de me faire un pantalon. Il me faut l'élastique. Donc, élastique pour pantalon, 60 centimes. Et alors, ça, ce sont des rouleaux pour parce que moi je roule, je peins, je roule pas avec un pinceau, je roule. Voilà, j'ai pris en peluche et j'ai pris aussi en mousse. Ben, je vais tester les deux, lequel sera mieux, je sais pas, je verrai bien. Voilà, et donc 75 centimes les trois. Ça, c'était un des deux chinois. Chinois, parce qu'en fait chez le premier j'ai pas trouvé la couleur que j'ai cherché. J'avais pour 11,32 €. Donc dans les 11,32 €, il y a le gros pot qui est encore moins cher à 6,99 €, 7 €. Mais en fait j'ai bien fait de prendre le gros pot chez l'autre parce que cette couleur ils n'avaient pas. Ensuite, un tout petit pot de verre parce qu'il faut que je termine. Voilà, ça c'est juste pour terminer le verre que j'ai déjà commencé parce qu'il me manquait la couleur pour faire une dernière couche. Ensuite, des gants en vinyle 1,35 €. Ah oui, le petit pot c'est 1,90 €, 2 € le petit pot, ça va. 1,35 € les gants. Et ça, des chiffonnettes humides, il en faut tout le temps. Et c'est bon, 99 centimes. Allez, j'avais pour total 11,32 €.
fatigant de tout expliquer. Mais bien évidemment, quand moi j'ai plus l'habitude de la caméra, j'ai fait la moitié, j'étais obligée de refaire la moitié de tout ça parce que j'oublie d'allumer le micro. Et ça s'écrit, ça a tout craché. Et ben voilà. Et ben voilà. Mais bon, pas grave, j'ai rien de prévu d'autre aujourd'hui. Alors, donc j'avais au total pour 39 euros 85, 45 centimes. Ouais, 39,45. Et puis là, j'en ai, regardez, il y a quand même pas mal. Hein, voilà. J'en ai pour au moins une semaine. Même le vin, je ne vais pas le finir en une semaine. Les croquettes pour le chien, c'est pas en une semaine. Tout ce que j'ai acheté là en charcuterie et tout ça, et le pain de mie et tout ça, c'est pas fini en une semaine, hein. Donc je n'en ai pour beaucoup plus. Et bien voilà, ben les prochaines courses, ça sera quand même la semaine prochaine, parce que les boîtes, c'est ce que j'ai là, c'est pour, avec les boîtes et avec les saucisses pour le chien, c'est pour une semaine à peu près. Mais c'est pas grave, ça. De toute façon, la semaine prochaine, je vais bouger. Je vais aller à la plage. Ouais, j'avais pas envie d'aller à la plage. Il a fait froid toute la semaine. Et là, tout à l'heure, il a même plu un peu. Je suis rentré juste avant la pluie, en fait. Bon, allez, une tranche de vie de camping-cariste en attente de jours meilleurs, de pouvoir repartir sur la route. Camping-cariste, oui, mais très statique pour le moment. Quand je pense que cette année, enfin en un an, depuis le premier confinement mi-mars l'année dernière, jusqu'à aujourd'hui, allez, si je fais 600-700 km, c'est beaucoup. Et 400 là-dedans, c'était déjà la route de Doña Mencia pour venir ici à tout à Ouais, allez, on va dire 800 km. Ouais, parce que j'étais à Murcia plusieurs fois, j'étais à la plage, j'étais à Lorca, j'étais à Cartagena, je me suis quand même à Mazarone, je me suis quand même pas mal baladé. Bon, allez, je vous souhaite que du bien. Soignez-vous si vous êtes malade, restez en bonne santé. Si vous n'êtes pas malade, ne changez surtout pas, hein, voilà. Et puis que des bonnes choses. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.